Le roi Hassan II a rejeté leur recours en grâce. 15 de ses prisonniers ont été exécutés ce matin à la prison militaire de Kenitra au Maroc. Accusés de subversion, ils avaient été condamnés à la peine capitale en août dernier. 16 condamnations mortes avaient été prononcées. Le deuxième procès de Kenitra s'était ouvert en juin dernier. Contrairement au procès relatif à l'affaire de Skiat ou au mitraillage du Boeing du roi Hassan II en août 1972, les 159 inculpés n'étaient pas des militaires, mais surtout des intellectuels et des paysans. On ne leur reprochait pas un acte précis, mais plutôt la flambée d'agitation qui avait traversé le Maroc trois mois auparavant. Vous êtes partisan d'être toujours au milieu de notre peuple. Vous savez, ce contact constant, cette sensation de n'être qu'un, c'est la seule raison parfois, au milieu des grandes tempêtes, des injustices. C'est certainement la seule et unique raison qui fait que l'on veut en rester là où on est. S'il n'y avait pas cela, j'estime que tout homme peut vivre n'importe où, n'importe comment. Donc je ne me sens pas condamné, de par mes habitudes ou de par mes goûts, à vivre comme je vis. Je pourrais parfaitement vivre autrement. Mais ce qui me maintient là où je suis, c'est parce que je sens que je suis utile à mon peuple. Hassan II a affronté l'épreuve de force. Il en sort transformé. Sa baraka, protection de Dieu, frappe l'imagination des masses marocaines. Entouré d'une aura d'invincibilité, il reprend les affaires de l'État en main, dénonce les inégalités et la corruption, renoue avec pluralisme politique. Le Parlement siègera à nouveau. L'air tempête vient de céder pas à celle de la réconciliation. N'est-il pas, au fond, un sentiment d'une certaine solitude chez vous? Oui, dans un sens. Dans un sens que on ne peut pas tout vulgariser. Certes, la démocratie veut dire et signifie qu'il faut mettre le maximum de monde dans le coup, dans le bain. Il faut le faire. Et il est certain que plus on peut associer de personnes à la conception de la chose, mieux cela vaut, parce que personne ne peut prétendre avoir la science infuse. Mais également, il faudrait les associer au maximum dans l'exécution. Et pour qu'ils exécutent intelligemment, il faut qu'ils aient compris le maximum. Or, les uns comprennent, d'autres ne veulent pas comprendre, et d'autres enfin ne peuvent pas comprendre. Tous les partis marocains se disent démocrates. Tous se disent démocrates. Et nous n'avons au Maroc, à ma connaissance, aucune force politique qui condamne ouvertement la démocratie. Mais en fait, c'est un dirigeant de partis politiques ont un comportement antidémocratique. Mais je peux vous dire une chose, et je vous assure que je vous donne ma parole d'honneur, c'est la vérité. Que s'il n'y avait pas Sa Majesté, réellement, une affection que j'ai pour Sa Majesté, parce qu'il a des côtés qu'on ne connaît pas. Je ne serais pas ici à être dans un gouvernement. Parce que ça ne m'intéresse pas, ce gouvernement-là. Je le combattrai pour le faire tomber, pour essayer de prendre sa place par la force. On ne peut donner tout pouvoir à une fraction de l'opinion publique ou à un petit politique ou à un groupe de partis politiques en dehors de tout garde-fou qui serait le Parlement, donc de représentation populaire, et en dehors de tout critère concernant leur représentativité. Eux-mêmes le comprennent du reste. Certes, il est certain qu'ils se rendent compte que les problèmes sont complexes, qu'il est plus facile de rester dans l'opposition que d'être en première ligne. Ah.
L'ouverture du Parlement au Maroc a de quoi intriguer observateurs non musulmans. Ici, la prière est de rigueur. Elle est à la fois acte de foi, allégeance au trône alaouite, à Dieu et au prophète Mohammed, qui sont les fondements de la monarchie marocaine. أن نتطرق إلى موضوع عامي يدرس. Au Parlement, tous les partis politiques sont représentés. Régions et groupes linguistiques ont ici leur place. Le roi assure l'unité de la diversité. Il désigne et démet le Premier ministre et assure l'intégrité territoriale du royaume marocain. Pour le musulman, Elba, qui est l'allégeance, est le lien éternel. Mieux que cela, il est le lien qui est scellé par le Coran et par la religion. Cette béa a toujours été donnée au souverain marocain depuis des temps immémoriaux. Je n'en veux pour preuve que le fait de savoir que la dynastie Almoravide, Morabitine, première chose qu'elle a faite en venant au Maroc par le sud, c'est de considérer justement ce sud comme étant Maroc. إمام لنا يا طيبة عندك يا ترى إيها لنا يوما يكون وصول نقيل أرض مساها قدم الذي سحبت فوق السماء ذول طرى راحلا للعرش في بعض ليلة وأدى له بعد القبول غفول نبي جميع الأنبياء محمد نعم ولكل Ici, dans les confins du Sahara, dans les cités impériales, l'allégeance au roi est le pacte d'alliance qui a cimenté les diverses composantes du peuple marocain. Le sud marocain est chargé d'histoire. C'est de là que sont issues de prestigieuses dynasties marocaines, dont celle des Alouites. Les Espagnols occupent le Sahara occidental que le Maroc revendique comme patrimoine. L'Espagne de Franco, qui s'apprêtait à le céder aux Marocains, fait volte-face dans les années 70 avec la découverte d'importants gisements de phosphate. Elle favorise la création d'un État indépendant sur le modèle des Émirats du Golfe, faible mais riche en ressources naturelles. Le drame du Maroc, c'est que lorsqu'il a été colonisé, il n'a pas eu affaire à un seul colonisateur. Nous avons été colonisés par deux colonisateurs, les Espagnols et les Français. Si nous avions eu la chance d'en avoir qu'un, nous aurions soudé de tout compte notre affaire du nord au sud. Malheureusement, il nous a fallu négocier le protectorat français, ensuite le protectorat espagnol sur la zone nord, par la suite enlever à Tanger son statut international pour la souveraineté marocaine. En quatrième lieu, il nous a fallu redescendre sur Tarfaya morceau par morceau, parce que comme vous connaissez, le général Franco était un homme très dur à la compréhension de la décolonisation. Quelques années plus tard, c'était Sidi Ifni. Et enfin, il restait le gros morceau du Sahara que nous avons nous-mêmes introduit aux Nations Unies au lendemain de notre indépendance. Le 16 octobre 1975, la Cour internationale de justice rend son arrêt répondant aux deux questions posées. Le Sahara est-il terre sans maître? Non, répond la Cour. Existait-il des liens juridiques entre le Sahara et le Maroc? Oui, il existait des liens d'allégeance entre le Sahara et le Maroc. La réclamation du Maroc est donc juridiquement fondée. Et le soir même, Sa Majesté Hassan II surprend le monde en prononçant son discours. Il ne nous reste donc, cher peuple, qu'à entreprendre une marche pacifique de l'est à l'ouest et du nord au sud. Nous devons, cher peuple, agir dans l'ordre et la discipline, nous rendre au Sahara et renouer avec nos frères. Tu dois prendre conscience de ce que représentent 350 000 citoyens, dont 10% de femmes. Car 350 000 personnes, dira leur roi, c'est ce qu'il y a de naissance au Maroc. C'est la moisson d'une année. Hassan II, depuis des semaines, imaginait le moyen de reconquérir le Sahara. La guerre d'indépendance du Maroc doit être complétée.
À l'instar du prophète, le souverain fait appel à son peuple qu'il marche, armé d'un étendard vert et du Coran, vers les confins sahariens. Venus des quatre coins du pays, volontaires descendent sur Tafaya, pèsent de leur présence sur l'occupant espagnol. Épopée des temps modernes, la marche verte a été une opération où spontanéité patriotique s'est conjuguée à la stratégie et à la logistique. 7813 camions, 17 000 tonnes de nourriture, 23 000 tonnes d'eau ont rendu possible. La marche verte, en réalité, n'est pas l'idée d'un chef d'État. C'est l'idée d'un ancien manifestant qui a manifesté en 44 comme tous les jeunes. Et je me suis dit, bon, on a manifesté en 44, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire une manif, une grande manif, mais à l'échelon de 350 000 habitants. Et si les Marocains sont les Marocains que je connaissais, si les fils sont dignes des pères, bien, il en mourra 100, il en mourra 150, mais les autres continueront. Mais je me suis dit par la suite, pourquoi exposer les gens à la mort? Envoyons-les avec le corps et le drapeau. Quel est cette sanguinaire qui osera tuer des hommes et des femmes complètement désarmés? Ainsi la preuve, une nouvelle fois, cher peuple, de ta capacité de te penser sans limite aucune, corps, âmes et biens. Ta patrie, tu sais sacrifier spontanément, jusqu'au réconfort d'être dans ton foyer. Si tu rencontres un Espagnol, civil ou militaire, échange avec lui le salut, et invite-le sous ta tente à partager ton repas. Nous n'avons aucune inimitié à l'égard des Espagnols. Salue de tout Espagnol que tu pourrais rentrer, et si d'aventure il tire sur toi, poursuis ta marche, armée de ta seule foi, que rien ne devrait ébranler. Le pari semble gagné. Les Espagnols n'ont pas tiré. Madrid est prête à concéder le territoire au Maroc et à la Mauritanie. Hassan II vient de retrouver l'état de grâce qui a marqué le règne de son père. Le 6 novembre 1975, jour de marche verte, demeura probablement la date la plus décisive de son règne. Dieu a voulu que la marche verte ait été inscrite dans l'histoire comme étant la marche la plus grande et la mieux réussie en l'histoire. Je ne pense pas qu'on ait fait marcher 350 000 hommes dans l'histoire de l'humanité. Naturellement, j'ai envisagé l'échec de la marche verte. Et je dois vous dire que le jour où l'on m'a dit que la marche a réussi, le jour où les marcheurs sont rentrés du sud, j'ai regardé le lendemain mon pays d'un tout autre regard. J'avais l'impression d'y renaître, car j'avais décidé de le quitter. Oui, si la marche verte avait... Excusez-moi, le quitter ? Oui. Je n'aurais plus eu le courage moral de regarder en face le moindre de mes sujets et de mes compatriotes. Et quand je lis, je suis ému parce que je sais ce que c'est que quitter son pays. J'en ai été privé 2 ans et demi. Je connaissais l'attachement païen que j'ai pour ma terre, pour mon ciel, pour l'eau de mon pays, pour les plantes de mon pays. Mais j'avais envisagé de partir.
la constitution prévoyant un conseil de régence dans la minorité du prince hérité, j'avais pris décision de quitter mon pays. Et le lendemain, j'ai regardé mes arbres et mes montagnes et ma terre avec un tout autre œil. Excusez-moi l'émotion. Moi aussi, je suis ému à cette idée aussi. Enfin, grâce à Dieu, nous sommes là. Okay. La televisión francesa, última palabra. Pues nada, muy bien, que estamos satisfechos, muy contentos de que lo haya salido tan bien. Les forces armées royales, sous la gouverne du général Dlimi, s'installent. Dlimi, originaire de la tribu des Ouled Dlim, Sahraoui. Il aura affronté d'autres Sahraouis qui ont donné naissance au front de libération de la Sakia El Hara et du Rio de Oro, le Polisario. La reconquête pacifique cède le pas à la voie des armes. L'Algérie, discrète sur ses intentions jusqu'en octobre 1976, fait volte-face, soutient et arme le Polisario au nom du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. C'est depuis 1973 que les soldats du Polisario se sont manifestés. Longtemps guides des troupes d'élite de toutes les armées qui ont occupé le Sahara, ils ont décidé de se battre pour leur propre compte. Les grands nomades du désert entendent ainsi faire reculer le Maroc et la Mauritanie et se donner un état. Le temps de la guérilla à dos de chaos est révolu. En février 1976, les dirigeants du Polisario répliquent à l'occupation du territoire par le Maroc et la Mauritanie en proclamant la fondation de la République arabe sahraoui démocratique. Par cette déclaration, le Polisario impose l'idée que les Sahraouis ne sont ni des nomades ou des réfugiés, mais un peuple qui lutte contre une occupation coloniale. Des deux côtés de la frontière, deux nationalismes s'affrontent, tandis qu'une guerre fratricide va opposer les Sahraouis. Au nord comme au sud du Maroc, d'autres voix se font entendre. Dans les villes et villages, on pointe du doigt l'Algérie, poursuit la guerre des sables de 1963 par Polisario interposé. Un nouveau Katanga, s'exclament les Marocains, qui se rallie, quelle que soit leur obédience politique, derrière le roi. L'Algérie perdait toute crédibilité, la monarchie renforçait sa légitimité. En 72, et en 1974, lors du sommet de Ligue arabe au Maroc, l'affaire du Sahara est venue et le président Boumediene, au nom de l'Algérie, a dit « Moi, pour moi, il n'y a pas de problème du Sahara. L'Algérie ne considère cette affaire comme étant maroc-mauritanienne sans plus ni moins. » Et puis, par la suite, naturellement, les événements, le gouvernement algérien, les dirigeants algériens ont commencé à sortir la thèse « C'est une affaire d'autodétermination. » Ces gens, les Sahraouis, sont nos voisins, ce sont des musulmans, c'est un peuple arabe. Nous ne pouvons pas parler du droit du peuple vietnamien à l'autodétermination alors qu'il se trouve à 10 km et ne pas nous intéresser à cette volonté qui est le désir le plus ardent de ces populations que vous appelez marocains, que nous considérons comme Sahraouis. Et de là est partie la... À mon avis, c'est l'escroquerie du siècle. Thank you.
faire jouer le premier plan du roi, qui consistait à avoir le Sahara, à pousser toutes ses forces, même les forces mobiles, civiles, toutes les forces, à avoir le Sahara et calmer tout et faire le fait accompli d'une façon très très rapide. Le Maroc entendait légitimer son occupation. Maintenant, cette occupation n'est plus légitime d'une façon définitive. Donc notre peuple pourra lutter le plus tard possible. Il gagnera, bien sûr. Ce qui était clair, limpide, ce qui aurait dû être réglé bilatéralement entre le Maroc et l'Espagne, est devenu tout à coup, par une baguette magique, je dirais maléfique, un sujet dont on fait un cas de génocide, de massacre, d'expansionnisme, alors qu'en réalité, nous ne demandons que la restitution de ce qui nous appartient. L'escalade aura-t-elle une fin? La guerre meurtrière au Sahara divise le Maghreb et l'Afrique, exacerbe la tension et l'hostilité entre Algériens et Marocains, pourtant peuple frère soudé par l'islam, comme ailleurs dans l'interminable conflit irano-irakien. Toutes ces questions sont mises de côté, tant d'invoquer Allah, son prophète, d'un côté comme de l'autre de la frontière. Dieu reconnaîtra les siens. أولادي بايعوا الأولاد رغم أولادي بايع الأولاد أولاد أولاد تم حالي لين تنتهدني الستيف تعمى نسول اللي أكبر مني أنا عارف هو شيء أنا عسكر خلاص نعرف اللي البارود أنا لا اللي بلاد اللي ما طاع الملك نحطوه خلاص صافي نقولوا إحنا في الدين اللي يسلم عند العصر اللي يرعاه العصر عنده الإمام يذن وتقوم الناس تصلي هذيك غادي عند مولاها المقابله هو اللي عارف واللي عارف الله ينروه هو الملك Nous sommes en 1981. La guerre du Sahara s'est enlisée. Dans les campagnes, la sécheresse fait des ravages, tandis que le prix des phosphates, l'une des principales ressources du pays, baisse. La marge de manœuvre s'étroite pour Hassan II, roi de Maroc. L'avenir paraît incertain. Sur les deux fronts, comment rebattre les cartes? فرحانين بصاحب الجنة حسن الثاني نصره هو الله ينصر شعبنا ينصر ملكنا الله ينصر أوطاننا وحنا رحنا فرحانين Bon, le bon l'esprit vous dit qu'ils sont très heureux de ce film qui se tourne ici au Maroc pour l'avenir du Maroc, pour son, l'avenir du roi, du peuple et du pays du Maroc. Ils sont très contents et vous bénissent en
en vous souhaitant la bonne chance. Kamli. Ouhna bkhair wa ala khair. Khair ma kunna bkayn. Daba ouhna farhanin. Chaab dialna li sou w bdou dialna. Wallah yansar sahra. Wallah yansar malik. Il vous dit qu'ils sont maintenant très heureux. Et vous voyez le Maroc déjà qu'il est bien qu'hier. Aujourd'hui, il est bien qu'hier. Il est mieux qu'hier. Il est mieux qu'hier. Et qu'il vive le Maroc, vive son roi, vive le libéreur du Sahara et du peuple marocain. Qu'est-ce qui va se passer pour le Sahara? قال لك اش غادي يوقع الصحراء يعني واش غادي يبقى داكشي ازمه مستمره او غتقطع يتحرر كلشي il vous dit que dans le Sahara il n'y aura plus de problème. À la transe patriotique de la marche verte a succédé l'anxiété d'un pays confronté à la crise économique, au chômage et à la pauvreté. La reconquête du Sahara apportait de la fierté. On en espérait aussi du pain et du sucre. Le lendemain matin, dans les rues de Casablanca, les traces de l'émeute sont encore visibles. Carcasses d'autobus calcinés, succursales de banques saccagées et brûlées. Ces images, nous les avons tournées en nous cachant car l'armée et la police interdisaient de filmer. Explosion de violence populaire déclenchée par la misère ou tentative de déstabilisation de la monarchie marocaine, faites bien les deux à la fois. Durant trois jours, la foule des bidonvilles exaspérée par la diminution du niveau de vie s'affronte à la police et à l'armée, alors même que la guerre grève 40% du budget et que les besoins populaires augmentent. Le gouvernement a été conduit au mois de mai dernier à décider des hausses très importantes de certaines denrées de première nécessité comme la farine, le sucre, le lait, le beurre. Ces augmentations ont été pour certaines denrées de plus de 100%. Bien entendu, le peuple dans son ensemble a considéré que ces hausses étaient scandaleuses, inadmissibles, et le peuple travailleur s'est tourné résolument vers la lutte pour faire abroger ces mesures. Les 66 morts sont morts par jet de pierre, par armes blanches et les malcontentants, etc. Mais si les forces de l'ordre, pour se défendre, en état de légitime défense, ont dû seulement tirer en l'air. La tension demeure vive, les aspirations aussi. L'état de grâce qui durait depuis 1976 prenait fin. Majesté, vous affirmez souvent que le Maroc est une des seules démocraties dans le Maghreb. Alors est-ce que vous continuez à le dire malgré l'emprisonnement de dizaines et de dizaines de syndicalistes marocains? En somme, ceux qui prônent la violence, qui entreprennent des actions de nature à troubler l'ordre public, qui appellent à la grève, qui appellent à l'émeute, ceux-là sont des éléments nécessaires et indispensables à une démocratie. Il y a aussi les syndicalistes, Majesté, vous le savez. C'est de cela dont je parle. Car les problèmes des journées du 22 juin ont été le fruit des provocations de la CDT. Vous pensez qu'elles ont été manipulées? J'en ai conviction. Il veut que sa société soit bâtie. Par exemple, pour le Maroc, j'ai toujours ma constitution à côté de moi. Il est dit dans le préambule que le Maroc est une monarchie constitutionnelle, que sa langue officielle est l'arabe et sa religion est l'islam. Cette constitution fait en plus du roi Amir al-Mu'minin le garant des frontières et de l'intégrité territoriale du pays. Et elle en fait aussi le gardien vigilant de la sunna et de la religion. Donc, pour moi, à partir du moment où l'on transgresse les fondements sur lesquels
tout un peuple, par consensus national, a voulu bâtir sa société pour aujourd'hui et pour demain, il y a là des limites. Si on me dit un jour que le pays, que le Maroc n'est pas un pays musulman, il y a un délit politique. Je le dis. Si on dit que la langue officielle du Maroc n'est pas l'arabe, il y a délit politique parce qu'il y a atteinte au fondement. Moi, je dis qu'il y a un délit politique. Quand on dit que le Sahara ne fait pas partie intégrante du pays du Maroc, je dis à ce moment-là que ce sont des Gaulétaires, des traîtres à leur pays, que c'est un délit politique. Quand on dit que la monarchie marocaine n'est pas une monarchie constitutionnelle ou que le pouvoir est totalitaire, je dis que c'est un délit politique. Qu'on dise que la personnalité du roi est, disons, un petit peu autoritaire, ça c'est une opinion. Que l'on dise de moi que je tiens peut-être à barre des affaires d'une façon un peu ferme ou trop ferme, ça, pour moi ce n'est pas un délit. C'est une description. Le principal, c'est que la description se fasse en termes courtois et respectueux, comme on le fait en gens bien élevés. Sorti de tout cela, tout le reste, c'est décrit des délits de droit commun. Mais dans ma nomenclature, et dans la nomenclature de tous les Marocains qui ont accepté les fondements de notre constitution, tout ce qui touche à la religion de l'État, à la langue officielle de l'État, à l'intégrité territoriale de l'État, est pour moi un délit politique. Ça, qu'Amnesty International l'accepte ou ne l'accepte pas, ça m'est complètement théâtre. Je ne suis pas responsable d'Amnesty International, je suis responsable du Maroc. Dans un bidonville de Casablanca, la troupe populaire Nas El Riwan soulève des passions. Troubadours des temps modernes, ils ont puisé leur inspiration et leur musique auprès des pauvres et des sans-voix. Dans un langage imagé, il exprime drames et douleurs de la quotidienne, invoque la justice, refuse la pauvreté. واش الحق كفا وعطا ولد بار حلف حلفا مطلو اطار واش الحق كفا من زمان قفلو سرير ساروتو ما في الحياة نبداها الخير والشر الحرار والسبايا العيب فينا بلا اطمان لا لغة موحدة ولا مايا يا حياتي في بنادم واحد وكثرت ليام يا حدا الانسان وذاك الانسان كاش هداك وذاك المراه يا هذا كل ذات مرأة للعالم مغنيين فصاه غزة ولا زلزت بالدم Thank you.
Dans le royaume de l'Occident extrême, traditionnalisme et modernisme cohabitent sans déchirement. La gauche marocaine s'est alliée au roi pour garder le Sahara. La floraison culturelle et spirituelle est vive dans ce pays où tous les musulmans sont sunnites et où pourtant une brèche est ouverte par ceux qui, au nom du fondamentalisme islamique, appellent les fidèles à la rigueur et à l'abnégation, font de la politique par d'autres moyens. Un pays musulman, s'il veut rester, s'il veut être orthodoxe, se doit, le jour du vendredi, de dire le prêche au nom de quelqu'un qui conduit la communauté musulmane qui vit dans les frontières de ce pays. Bon, le nôtre, naturellement, a des traditions séculaires. La religion y a toujours joué un rôle très important, que ce soit depuis les Idrissides jusqu'aux Alaouïennes. Et il s'est trouvé que sur... Donc il y a les Idrissides, il y a les Mélinides, que sur 6 dynasties, il y en a 4 qui se trouvent être descendants du prophète. Alors, il n'a plus fallu qu'un pas pour que le chef temporel soit considéré comme le chef spirituel. C'est pour ça que même le mot laïcité, chez nous, ne veut rien dire, parce qu'il n'y a pas de séparation entre l'État et l'État religieux ou l'État non religieux, c'est la même chose. Parmi les pays africains parcourus par Jean-Paul II, le Maroc sera le seul pays arabe qu'il visitera. La rencontre entre le pape, chef catholique du monde et du commandeur des croyants, devient un précédent historique et diplomatique. Gardien des traditions, leur face-à-face conférera à Hassan II une place inédite. Celle d'un prince de l'islam tolérant et ouvert au dialogue. Je ne suis pas chef d'État laïque parce qu'à partir du moment où on est musulman, on ne peut pas être laïque. En réalité, tous les chefs d'État du monde, musulmans, je ne suis pas arabe, ne sont pas des chefs d'État laïques. Et quand ils disent qu'ils veulent être laïques, je dis qu'ils ne sont plus musulmans. Car le droit musulman nous colle à la peau, on le veuille ou non, tant sur le plan du droit public que sur le plan du droit privé. C'est malheureusement ce qui a perdu l'Iran et qui a fait que qu'on a mis le regard était Shah n'a pas compris ce qu'il a... On peut dire que c'est lui qui a fait sauter le couvercle de la marmite iranienne qui bouillait parce que pour lui, il y avait le clergé. Il appelait les imams le clergé. Alors que chez nous, l'arabaniyat fil islam, il n'y a pas d'ordre religieux en islam. Je rends grâce et gloire à Dieu qui a permis que je me trouve avec vous aujourd'hui. Chrétiens et musulmans,
Nous avons beaucoup de choses en commun comme croyants et comme hommes. Nous vivons dans le même monde, marqué par de nombreux signes d'espérance, mais aussi par de multiples signes d'angoisse. Le Sahara est devenu depuis 6 ans un véritable champ de bataille. Près des revers militaires, les forces marocaines sont passées à l'offensive, ont transplanté des populations et laissé aux incursions du Polisario le spectacle désolant d'oasis abandonnées aux tempêtes de sable. D'autres Sahraouis, encadrés par le Polisario, se sont installés dans des camps de fortune à la frontière algérienne. Ce qui était censé être provisoire devient permanent. Nomades, vivant de la transhumance de troupeaux, ils se sédentarisent. Traditionnels passeurs de frontières, les voilà impliqués dans une guerre de frontières qui bouleverse leurs conditions de vie et leurs horizons. La transmission orale, qui a jadis rythmé la vie tribale, est révolue. Les enfants sahraouis apprennent ici l'histoire d'un pays à reconquérir des mains des Marocains, désormais à la fois ennemis et étrangers. Le patriotisme s'enseigne, mais entre droit naturel et historique, qui tranchera ? La prière de creuser même pas un mètre en été pour trouver de l'eau. En hiver, il s'agit de 20-30 cm. Le plus difficile a été de faire le mur saturant l'eau de Sarri. À partir de là, on a eu la Hada. Et on n'a plus eu qu'à descendre vers ce qui est plus facile. Oui, j'écoute. Alors, allez vers vous. On est en cours. Rien ne sera gêné. Enterrez pour moi. L'achèvement de 3 murs infranchissables, équipés de radars et systèmes de surveillance électronique, l'armée marocaine a verrouillé le triangle qui relie les villes de Smara, El Aaiun et Boura. Autrement dit, la zone peuplée, mais aussi celle des phosphates. Le Sahara utile est sous contrôle. Progressivement, elle a coupé la route de l'Atlantique au Polisario et occupé leur chef-lieu, Aoussa. De guerre dure, longue et périlleuse, on est passé à une guerre de position, abandonnant les 4/5 du désert au Polisario. We'll be right back.
Les escarmouches du Polisario demeurent constantes, même si la situation militaire semble désormais figée grâce à la stratégie de mur. La guerre coûte cher cependant. Elle tue aussi. De près ou de loin, chaque foyer marocain en ressent le poids et le sacrifice. 2 millions de dollars par jour est une somme formidable pour un pays dont la dette extérieure s'alourdit chaque année, même si une partie de la facture est comblée par l'Arabie saoudite. L'armée nouvelle de 110 000 hommes forgés au Sahara et a des intérêts à défendre, d'autant plus que le bilan des sacrifices est lourd. 10 000 soldats marocains auraient payé de leur vie la souveraineté sur cet espace. Les forces du Polisario poursuivent leur errance, paient aussi lourdement le prix du sang, tandis que les États qui les arment, la Libye et l'Algérie, tentent de marquer leur place au sein du Maghreb. La guerre est finie. Malheureusement, non, elle dure. Tant que j'ai des hommes sous les armes, elle dure. Mais est-ce que ce n'est pas une bénédiction du ciel? Cette guerre, dans la mesure où elle a permis au Maroc de se doter d'une armée puissante qui pourrait peser dans la région. Je peux dire, sans forfanterie, que sur le plan de la guerre du désert, je ne parle pas de la guerre dans les Ardennes ou dans les plaines européennes, mais dans la guerre du désert, je peux dire sans forfanterie qu'actuellement, l'armée marocaine, je ne dirais pas est la meilleure, mais est la seule au monde à être vraiment opérationnelle comme il faut pour faire la guerre du désert. Si vous avez remarqué, prenons les côtes de l'Afrique, il y a de gros problèmes que là où il y a de grandes côtes sur les mers. La Somalie, calculez le nombre de kilomètres qu'ils ont sur la mer. L'Angola, le nombre de kilomètres qu'ils ont sur la mer. Et le Maroc, maintenant, avec le Sahara. Donc, d'une façon générale, là où il y a des milliers de côtes, il y a des problèmes. De là à dire que s'intéressent les grands, il n'y a qu'un pas. De là à penser que ce ne sont que des convoitises de richesses halieutiques, entre riverains ou entre voisins, il n'y a qu'un pas. En réalité, selon l'état d'âme, l'humeur et la spécialité de l'analyste, ça peut être un conflit bilatéral, régional ou intéressant les deux grands. Devant le sommet de l'Organisation de l'Unité africaine, Hassan II s'est présenté avec un rameau d'olivier, proposant qu'un référendum soit tenu au Sahara occidental. Il cherche une issue diplomatique, d'autant plus que sur le front intérieur, la tension est aiguë. Cependant, la population sahraoui recensée par les Espagnols est de 70 000, tandis que le Polisario l'estime à 500 000. Qui tranchera dans un broglio? Personne. La guerre continue. Et ce référendum que vous aviez proposé? Eh bien, j'attends qu'il... Vous croyez qu'il aura lieu? Mais comment vous croyez qu'il aura lieu? Il faut qu'il ait lieu. Ça fait 6 ans qu'on me casse les pieds. Je m'excuse, on me casse les pieds pour qu'on fasse un référendum. Ils sont unis au comité des 24, à l'OUA, partout. Les mass-médias, les journalistes, la télévision, vous y compris. Et maintenant que je veux le faire le référendum, on n'y croit plus. Il fallait aux autorités algériennes ou au gouvernement algérien, il lui fallait sortir de la contradiction dans laquelle il s'était mis. Nous n'avons pas de prétention, ça n'est pas notre affaire, nous voulons l'autodétermination. Lorsque le Maroc a dit d'accord pour l'autodétermination, ils se sont trouvés coincés devant la réalité. S'ils savaient faire le référendum, l'affaire était pour eux perdue. S'ils refusent le référendum, ils sont en contradiction avec eux-mêmes. Et je suis sûr que les autorités algériennes doivent actuellement être à la recherche, par tous les moyens possibles, d'une façon de sortir de cette position malaisée dans laquelle ils se sont mis. Rivaux, mais non ennemis, Hassan II et Chadli se rencontrent secrètement à la frontière algéro-marocaine.
pour désamorcer conflits qui risquent de les entraîner dans une guerre ouverte. Autonomie ou partage avec le Polisario sont esquissés, mais ce dernier veut des pourparlers directs et publics. Il y avait une façon chez les Chinois de faire la guerre sans la faire. Il arrive quelquefois que deux grandes armées, on retrouve ça dans le livre de Sun Tzu, L'art de la guerre. Oui, deux grandes armées se trouvaient face à face. Alors, comme vous le savez, il y avait à l'époque plusieurs empires, plusieurs royaumes. Alors les chefs décidaient de se rencontrer sous la tente. Ils amenaient leurs généraux et puis ils disaient, bon, vous avez vos archers sur cette colline, moi j'ai mon infanterie ici. Vous avez votre cavalier à droite, moi j'ai mes chars à cheval, t'es en droit. Alors, si je fais ça, qu'allez-vous faire? Je ferai cela. Si vous me contournez par mon aile droite, est-ce que moi je peux foncer sur votre centre? Et il faisait la guerre comme avec les soldats. Et lorsque le vainqueur avait gagné, ça ne se passait pas du jour comme ça naturellement, les troupes se retiraient. Le vainqueur était reconnu, le vaincu acceptait les lois du vainqueur, mais il n'avait pas une goutte de sang versé. Pourquoi vous n'avez pas fait ça avec Chedli le 26 février 1983? Parce que jamais l'Algérie n'a considéré que c'était eux qui combattaient. Et heureusement, jusqu'à présent, nous n'avons pas de traces que ce soit eux. Oui, mais les Chinois sont très didactiques. Il n'y a pas moyen d'enseigner la paix à l'Algérie? Les Chinois sont les Chinois, les Nord-Africains sont les Nord-Africains, ça ne changera rien. La paix n'aura pas lieu, la guerre reprend de plus belle et emprunte d'autres chemins inédits jusqu'ici. Cette fois-ci, c'est une chose horrible, parce que c'est le terrorisme dans ce que cela de plus affreux. Il s'agissait, avec des télécommandes à distance, de mettre une bombe dans un sac de papier sur une plage, dans un stade d'athlétisme ou de football, dans un cinéma, de prendre la poudre d'escampette et se sauver comme un lâche, et de laisser derrière soi, non pas une victime ou deux, par coup de feu, mais des dizaines de victimes par bombe. Alors là, ça défie toute morale, ça défie même toute virilité. Bon, un assassin ou un subversif qui tire sur quelqu'un, c'est qu'en tirant, il peut se faire abattre. Mais un monsieur qui dépose un engin explosif et meurtrier pour tuer des dizaines de personnes et qui le fait exploser 10 minutes ou un quart d'heure après qu'il soit parti, c'est vraiment l'assassinat collectif dans ce que tout cela qu'on peut comporter comme acheté. Le Maroc, comme toujours, pour être le plus près de la vérité et de la réalité et sans conditionner personne, n'a mis en cause que la direction de la sécurité militaire. Nous considérons que nous ne pouvions pas, dans l'état de ce que nous connaissions et de ce que nous savions, monter plus haut. Maintenant, le procès et les révélations nous diront où s'arrête la responsabilité. J'espère que le président saura prendre les dispositions nécessaires pour que de telles choses ne se produisent plus, sinon ça va nous conduire à jouer un match de tennis. Je ne peux pas lui envoyer la balle. Et pourtant, le Maroc a de quoi renvoyer la balle à l'Algérie dans ce domaine. Et ce n'est pas recrutement qui manquerait. Mais je ne veux pas jouer au tennis dans ce domaine. Je n'ai pas à renvoyer la balle. Je souhaite que les choses s'arrêtent là. Le monde arabe et musulman est une tribune où le roi affirme sa solidarité, noue des alliances, joue un rôle de médiateur. Depuis 2 décennies, il est de tous les sommets et certains, tenus sous son égide, ont leur importance. En 1982, à Fès, souverains et chefs d'État arabes se prononcent pour la coexistence de 2 États, l'un israélien, l'autre palestinien. C'est une première qui pavera la voie à de nouvelles initiatives. Thank you.
je souhaite qu'on ne fasse jamais appel aux forces armées royales pour aller dans ces régions. S'il le fallait, elle le ferait. Mais le théâtre d'opération, naturellement, serait un théâtre d'opération inter-État et non pas le théâtre d'opération d'un seul État. Les États, à part l'Arabie Saoudite, là-bas, sont tellement petits que... C'est fragile. Qui n'est pas fragile aujourd'hui? Tout le monde l'est plus loin. Mais elle serait capable, certainement, de porter, si on lui demandait, son concours le plus total et certainement plus efficace. Prenant de surprise amis et ennemis, Hassan II signe un traité d'union avec le colonel Kadhafi, son adversaire de toujours. Kadhafi, isolé au Maghreb par le traité entre l'Algérie, la Mauritanie, la Tunisie, est un partisan des unions. C'est sa septième. Pour sa part, Hassan II neutralise l'appui de la Libye au Polisario. Ce mariage de raisons impensables pour la France et les États-Unis impressionne au contraire ses sujets marocains. Vous savez, déjà quand on constitue une société commerciale ou une holding, on ne peut pas savoir si c'est une affaire florissante, positive ou négative, avant un bilan de 2 ou 3 ans. Alors, à plus forte raison, lorsqu'il s'agit de deux États qui étaient aux antipodes l'un de l'autre, qui ont réappris à dialoguer, à échanger des idées, à échanger des biens et des personnes, je pense qu'il est encore trop tôt pour faire le bilan de cet accord. En ce qui me concerne et en toute conscience, Dieu m'est témoin que si je m'étais rendu compte au cours de cette année que cet accord n'était pas pour le bien de mon pays, je ne dis pas que je l'aurais renié, non. J'aurais demandé à l'amender. Mais cet accord paraît dans l'état actuel des choses le meilleur qu'on puisse imaginer entre deux pays que 3000 km séparent, mais qui font quand même partie d'un tout régional qui s'appelle le Grand Maghreb arabe. Le temps a eu raison de cette union. Le bilan n'aura pas lieu. À Montréal, en 1985, les Juifs canadiens d'origine marocaine sont hôtes du premier rassemblement mondial du judaïsme marocain. Les Juifs marocains, dont la majorité est fixée en Israël, témoignent de leur attachement à leur pays d'origine, comme gage d'un dialogue entre Juifs et Arabes au Moyen-Orient. Les délégués de ce rassemblement ont rendu un hommage appuyé au roi du Maroc, Hassan II. Mais est-ce que ça veut dire que la position du Maroc, une position qui défend le dialogue avec Israël, est uniquement liée à la dynastie marocaine, ou bien est-ce que c'est l'affaire du Maroc tout entier? Effectivement, nous sommes très attachés à la monarchie marocaine, parce que nous avons vécu, notre génération n'a vécu qu'à travers cette machine. Notre génération n'a connu que Mohamed V et Hassan II. Je tiens à rappeler que lors du congrès de Rabat, l'ensemble des partis politiques marocains, droite, extrême droite, gauche, allant jusqu'au parti communiste marocain, leurs leaders sont venus, ont fait des déclarations au congrès de Rabat. Les leaders syndicaux sont venus, ont fait des déclarations au congrès de Rabat. Et à chaque manifestation, les leaders syndicaux sont invités, les hommes politiques sont invités et nous entretenons les meilleures relations avec l'ensemble des partis politiques marocains. Pourquoi est-ce que nous faisons tout cela? Pourquoi est-ce que nous prenons à témoin l'opinion internationale sur quelque chose qui nous est très particulier? Pourquoi est-ce que nous nous déshabillons devant tout le monde? C'est quand même pour une bonne cause. C'est simplement pour témoigner quelque part, pour dire ah, il y a dans un endroit, partant du Maroc, des gens qui appris à vivre ensemble. Et il se trouve que ces gens, ailleurs, au Maroc, ils se tuent tous les jours, ils s'insultent. C'est la haine, c'est la tolérance. Et nous, ben, c'est un petit clignotant, prétentieux, immodeste, mais un petit clignotant que nous voulons allumer, qui aujourd'hui éclaire, peut-être au-delà de ses moyens, mais il éclaire quand même la scène juive et la scène arabe. Et je dis, à la limite, bravo au judaïsme marocain, bravo au Maroc, et tant mieux pour ceux qui, il y a quelques années, ont rêvé à quelque chose d'immodeste.
Neuf mois plus tard, Hassan II brise un tabou en recevant au palais d'Ifrane un premier ministre israélien, Shimon Peres. Dans le monde arabe, c'est la consternation, tandis qu'en Israël, le geste d'Hassan II séduit et suscite le débat politique. Leader modéré, les deux chefs d'État tentent de débloquer l'immobilisme politique dans lequel s'est enlisé le Moyen-Orient depuis la guerre du Liban. Tous les deux ont des intérêts à défendre, des alliances à nouer ou à renouer. Peres ravive le désir de paix chez les Juifs marocains, la plus grande communauté d'Israël. Hassan II maintient son rôle de médiateur dans un monde arabe secoué par la guerre du Golfe et l'intérisme iranien. Il témoigne que le dialogue est possible tout en ne cédant rien sur les principes d'une paix. Le roi a pris le risque de la diplomatie inaugurée par Sadat. Le successeur de Peres pourra-t-il relever le défi et prendre des risques à son tour ? ...1975-1985. Voilà 10 ans que le Sahara espagnol est devenu marocain. Mais voilà aussi une décennie qu'on s'y bat et qu'on y meurt. Depuis, que de chemin parcouru. Hassan II a dû faire face à une guerre d'usure et à une guerre diplomatique. Les tensions sociales ont été vives ces dernières années, mais le nationalisme marocain semble destructible. Le monarque reprend le périple suivi par les marcheurs il y a 10 ans. Il a relevé le défi, réunifié le Maroc tel que ses prédécesseurs, qui, partis du Sud, ont façonné l'histoire de ce pays. À l'endroit précis où les marcheurs s'étaient arrêtés en 1975, Hassan II prit avant de rentrer à El Aaiun, métropole moderne en plein désert. L'intégration au royaume ne fait plus de doute. وسيكون ضمن المجلس الإداري للمكتب الشريف الفصل الكبير سيكون من جملة أعضائه وسوف دائما يجتمع في العيون ناس صحراويين اللي غادي نختارهم إما من البرلمان وإما من مجلسكم الاستشاري المقر هذا ليكونوا أعضاء في البرلمان وليروا فصفاتهم يباع ويدخل مال وتقام به شارع. L'intégration économique et sociale doit être parachevée politiquement. C'est donc tout le Parlement marocain qui siégera à El Aaiun pour témoigner de l'attachement de tous les députés et de tous les partis politiques au Sahara libéré, dont la population est appelée à participer au développement régional et à jouir des fruits de celui-ci. Il y a dans l'affaire du Sahara deux volets. Il y a le volet politique, et il y a le volet traditionnel et historique. Sur le plan politique, c'est la volonté de recouvrer l'intégrité du territoire national. Or, lorsque le glaive et le goupillon se rencontrent, lorsque le pouvoir spirituel, la volonté politique se rencontrent avec la volonté et la foi sur le plan spirituel et religieux, je pense à ce moment-là que toutes les composantes sont rassemblées et que ça ne peut que réussir, car il ne serait... On peut battre une armée, on peut vaincre une armée, mais on ne peut pas vaincre un peuple. Hassan II s'est maintenu au pouvoir depuis plus de 25 ans, en dépit des contestations, des conflits sociaux, politiques et frontaliers. Il est l'artisan du Maroc moderne, nom d'une triple légitimité. Prince de l'Islam, il a garanti la tradition. Homme d'État moderne, il s'est refusé à l'allégeance sans limite à un modèle emprunté. Il a ramé entre plusieurs courants, déjouant les pronostics des uns et les espoirs des autres, imposant son style, à la fois pragmatique et ferme. Monarque charismatique,
il a créé sa propre légende en devenant, grâce à la marche verte, celui qui transcende l'espace politique marocain. C'est au palais de Skirat que nous quittons ce roi au destin exceptionnel. Cependant, des hypothèques demeurent sur le plan des réformes sociales et économiques. L'explosion démographique pèse et pèse encore. Le pari meurt, les risques aussi. À cette nouvelle génération née au Sahara marocain, les livres d'histoire diront les lindes légendes spirituelles qu'ont passé leurs ancêtres avec les dynasties royales marocaines. Alors même que de l'autre côté de la frontière, en Algérie, on racontera que des étrangers, des colonisateurs, occupent leur pays.